Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la deuxième partie du Mega Hall Action. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets dans le petit, comme ça vous pouvez aller la voir. Et donc je continue à vous montrer tout ce que j'ai acheté. Juste avant de commencer à vous montrer les achats, je voulais vous parler de deux choses. Donc premièrement, des produits que j'ai reçus de la part d'Octoly. Donc il y a les deux enlumineurs de la marque Givenchy, c'est de teint couture Radiant Drop. Ils sont deux en un grâce à la pipette qui fait également pinceau. Donc voilà, vous pouvez prélever de la matière. Mais il y a un embout pinceau, donc c'est super pratique. Donc j'ai les deux teintes. La teinte rose qui s'appelle Radiant Pink, c'est la 01. Et la Radiant Gold numéro 2. Donc ils coûtent 45€. J'ai beaucoup aimé ces produits. J'avais déjà la couleur rose mais en poudre, format poudre, que j'ai super aimé, mais alors là vraiment un gros coup de cœur. Donc j'avais déjà demandé la dorée et puis ensuite la rose, tellement j'ai été bluffée par le résultat. Et je dois avouer que j'ai un petit coup de cœur quand même pour la dorée, qui est vraiment très belle et qui, je trouve, est beaucoup plus opaque. Donc vous pouvez mélanger à votre fond de teint, vous pouvez mettre en highlighter, donc là j'en ai mis aujourd'hui, ça se voit. C'est super agréable à appliquer puisque ça sèche presque tout de suite, mais on a quand même le temps de... moi je l'ai mis au doigt, on a le temps de travailler la matière avant que ça sèche, ça se travaille super bien. C'est vraiment des super produits, en tout cas moi j'adore. Vous pouvez également les utiliser en fard à paupières, enfin c'est vraiment multi-usage. Donc je suis très contente de ces deux produits là. Et le deuxième produit, c'est une poudre de la marque Sephora, donc c'est les nouvelles qui sont matifiantes. Le packaging est aimanté, c'est super pratique. En plus, c'est très, très joli avec le numéro de la teinte et puis son nom. Donc moi, j'ai pris la numéro 21 qui s'appelle Pétale. Elle correspond très bien à ma carnation. Donc voilà comment elle se présente. Elle a un petit miroir. Elle a également une houppette en dessous. Donc ça nous promet un teint unifié, mat et sans effet matière. C'est exactement ça. J'en ai mis aujourd'hui. Habituellement je serais une vraie boule à facettes, là ça va, bon j'ai l'highlighter hein, mais je brille quand même un petit peu, mais je trouve qu'elle fait vraiment bien ce qu'elle nous promet en fait. Elle matifie quand même beaucoup. Normalement il faut l'appliquer avec la houppette là, la petite mousse, mais moi j'aime pas parce qu'après elles sont toutes sales, donc je l'ai appliquée avec mon pinceau, mais il faudra que j'essaye avec une autre mousse que j'ai déjà, dont je me suis déjà servie, pour voir s'il y a une différence. En tout cas au pinceau elle est super fine, mais on la perd pas en fait, elle reste bien quand on peut facilement l'appliquer, et en même temps elle est onctueuse, c'est super agréable, et j'aime beaucoup cette poudre. Je suis super contente d'avoir pu la tester. Et donc la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai oublié de vous montrer deux articles. Donc le premier, je vous mets une photo tout de suite. Donc c'est un dressing amovible en quelque sorte, vous savez, qu'on peut monter facilement. Il y en a souvent chez Jiffy pour une dizaine d'euros. Donc moi là je l'avais acheté chez Action puisque c'est un haul Action. Il y avait plusieurs coloris, donc je vous ai pris une photo des coloris, mais j'ai laissé dans ma voiture, je ne l'ai pas remonté là parce que j'ai pas la place pour le mettre ici. Mais voilà, je vous ai pris des photos. Et puis donc il y a ce sac à main qui existait aussi en gris, en noir. Le gris est très beau. Donc moi il y avait que le kaki que je l'ai acheté. Mais ensuite j'ai hésité un peu à prendre aussi le gris parce qu'il est super beau. J'aime beaucoup la forme. Dedans il y a des pochettes, il est doublé. Vous avez deux pochettes style téléphone et puis une pochette à zip. Vous avez une autre pochette avec une fermeture devant. Donc derrière il n'y en a pas, il y a un petit pompon comme ça là, que vous pouvez enlever ou changer comme vous voulez. Et il y a quelques mois, même un bon moment, j'avais acheté ce portefeuille. Donc il est comme, voilà, il y a mes affaires dedans, mais il est comme tout leur portefeuille qu'on se format là, avec il y a une petite pochette à zip au milieu pour mettre vos pièces, vous avez plusieurs compartiments, vous pouvez mettre des cartes de chaque côté, voilà. Donc je m'étais dit, si jamais j'achète à Primark ou voilà, un sac kaki, j'aurai le portefeuille. Et en fait, je trouve qu'il va super bien avec, il a des petits clous comme ça qui sont argentés, un peu doré et puis anthracite, donc ça va très bien, même si les clous n'ont pas la même forme. Il est exactement de la même couleur,
Donc je suis très contente, je me dis au final j'ai bien fait de le prendre parce qu'il va super bien avec. Donc voilà, j'ai fini pour ces apartés, donc je vous laisse maintenant avec la vraie vidéo. Donc j'ai pris deux lots de pochettes plastiques. C'est des brillantes parce que j'aime pas celles qui sont pas brillantes. Là, vous savez que ça fait des petits points dessus. Là, j'aime, je préfère des brillantes. Il y en a 20 par paquet. Moi, j'ai pris deux paquets. Il me semble que c'était en promotion. Ensuite, j'ai pris un produit que j'avais jamais vu. Et d'ailleurs, après, je l'ai plus revu après l'avoir acheté. C'est de l'huile de coco. Je me suis dit pourquoi pas en mettre dans les plats plutôt qu'une autre huile. Donc, il y en a 500 ml. Ensuite j'ai pris un cadenas, il n'y a plus que l'emballage parce que j'ai déjà donné à ma soeur pour le vestiaire de la salle de sport. Elle n'en avait pas et moi j'en avais acheté un comme ça, je m'étais dit ça peut toujours servir. La preuve. Donc il fait 40 mm, voilà c'est un cadenas classique et avec vous avez 3 clés. Ensuite j'ai pris ces 3 gels douche-ci qui sentent super bon, surtout le violet, je crois que c'est mon préféré. Enfin bon, c'est de la marque Diamond & Co, enfin Diamond Co. J'ai pris le Radiant Ruby, donc le rose. Ça fait gel douche et bain douche. Enfin, bain moussant, quoi. C'est des bains douche. Ça fait gel douche et bain moussant. Voilà. Ils sont très, très mignons. Donc, j'ai aussi pris le bleu qui s'appelle True Topaz. Voilà. Et le violet, le Sunny Saphir. Et c'est vrai qu'ils sentent tous très, très bon. Ensuite, j'ai pris un petit photophore comme ça, avec un petit miroir et des paillettes. Et puis un petit... Je sais pas, un petit truc en espèce de cristal là au-dessus pour mettre la bougie. Je trouvais ça très beau, il y avait aussi forme carrée. Et en dessous, il y avait des petits tampons. Voilà. Je trouvais ça sympa. En fait, elle n'avait pas mangé tous les bonbons. Si vous avez suivi l'autre vidéo, il y en a au fond du sac. On va passer au dernier sac. J'ai pris des Choco Crossies. Je pense que ça dit comme ça, c'est les classiques. Dedans, vous avez deux sachets de 75 ml. En fait, millilitres, grammes. En fait, c'est de la marque Nestlé et c'est des espèces de roses des sables comme ça. Bon, bien sûr, je les ai tous mangés. Il y a une amande à côté. Et dedans, j'ai mis tous mes tickets de caisse. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils sont très bons. J'ai pris un petit sac à dos pliable comme ça. Je me suis dit, ça peut toujours servir. On peut l'emmener avec soi et hop, si on a des choses à ramener, on le déplie. Il existait plusieurs couleurs. Il y avait gris, il y avait bleu... Voilà, donc moi j'ai pris rose, c'est de la marque Froyac, c'est un peu leur marque de sport, enfin pas vraiment de sport, parce que leur marque de sport ça doit être Slige ou un truc comme ça, mais c'est leur marque un peu randonnée, voilà. Donc avec un ours dans la marque, enfin dans le logo, voilà, ça fait un peu randonnée. Ma soeur l'a ouvert par curiosité, elle a pu le refermer, c'est très simple. En fait ça c'est la poche qu'il y a à l'avant du sac. On remet tout le sac à l'intérieur. Ça fonctionne un peu comme les Kawaii, sauf que c'est beaucoup plus simple à refermer. Ensuite, j'ai pris ça que j'avais vu sur une page Action sur Facebook. Des petits gâteaux, des petits cookies à la cannelle. Il y a un peu de sucre dessus qu'on peut mettre au bord de la tasse. C'est trop mignon, vous voyez, il y a des petites fentes comme ça. Donc vous avez des petits bonhommes de pain d'épices, un truc, je ne sais pas ce que c'est. Étoile, cœur et c'est tout apparemment. Voilà, c'est vraiment mignon. Dedans, vous en avez 16 apparemment, oui, 1, 2, 3, 4, 4 x 4, donc 16. Il y en a 150 grammes. Ensuite, j'ai pris ceci, donc un chargeur qui fait. Donc un chargeur USB qui fait à la fois USB, micro USB et Lightning pour les iPhones. Parce que moi j'ai beaucoup de chargeurs Lightning, mais j'ai rien pour charger mes batteries amovibles. Donc, enfin voilà, comme ça j'aurai tout sur le même, ça sera plus pratique. Il y avait plusieurs couleurs, avec du rouge, avec du noir. Enfin, voilà. Moi j'ai pris comme ça, blanc et argenté. Puis il y a un petit anneau que vous pouvez mettre après vos clés ou peu importe. Ensuite j'ai pris ça, donc c'est comme des Raffaello, parce que j'étais curieuse de savoir si ça ressemblait énormément à Raffaello ou pas, parce que moi j'adore ça. Et donc voilà, je vais goûter et je vous dirai si ça ressemble ou pas. Ensuite j'ai pris des petits écouteurs pour ma maman, donc j'ai pris blanc, c'est les premiers prix hein, de chaque action à 99 centimes. C'est une prise jack. La minette vient de trouver les bonbons que j'avais sortis du sac, donc elle va passer pour aller les chercher. Mais il n'y a pas vraiment la place. Dépêche-toi. C'est bon, t'as tout mangé, tu peux repartir. Bon, allez, hop.
on a pu. Donc c'est bon, elle a tout mangé, bon elle continue de renifler mais elle s'est mise plus loin. Donc voilà, je vous disais, j'ai pris des petits écouteurs pour ma maman, les siens ne marchaient plus, c'est une prise jack, voilà, tout simple. Et pour moi, j'ai pris ceux-là, donc en rose gold. À voir, j'ai trouvé ceux-là dans un Action, avant j'avais été dans un autre où là, c'était à peu près les mêmes, ils s'ouvraient, c'était aimanté la boîte, tout ça, c'était à 10 euros. Enfin, 8,95 je crois. Mais il disait que c'était Bluetooth alors qu'il y avait une prise jack et tout. Donc je pense qu'il s'était pas rangé au bon endroit. Donc, je sais pas combien c'était. En tout cas, dans l'autre Action, j'ai trouvé que ceux-là. Mais c'est à peu près le même style. Ensuite, j'ai pris des petites porte-clés licorne de différentes couleurs qui font caca des paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai pris violet pour ma maman. Ma soeur, j'en ai pris une blanche, elle l'a déjà prise. Voilà, on voit un peu mieux là. Donc blanc pour moi, et puis j'en ai pris une rose pour vous. Mais je sais pas trop comment faire. J'avais pas envie de faire un concours et de vous l'envoyer. J'avais envie de faire une rencontre avec des abonnés, mais vu que moi j'habite à Dijon... Je pense qu'il y a peu d'abonnés qui habitent à Dijon, mais je me suis dit pourquoi pas vous mettre des petits cadeaux de côté, puis faire ça plus tard, ou... Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous habitez sur Dijon et si vous seriez prêt à passer une après-midi avec moi. Comme ça, je saurais s'il y a plusieurs personnes intéressées, et on pourrait peut-être faire ça. Ensuite, j'ai pris des autres bonbons pour ma minette. Donc, il y a une petite balle pour les mettre dedans, enfin une balle en dur, hein. Comme ça, il y avait que rose. Et puis un paquet de bonbons, ils ont l'air plutôt appétissants. Hein. Ça ressemble un peu au Whiskas. Par contre, cette fois, elle m'a pas démonté le sac pour les trouver. J'ai pris deux boîtes à lunch qui vont ensemble, donc mini Mickey, une plus grande comme ça, et une plus petite. Voilà. Ah ben, il y a une autre partie pour Halloween, donc j'ai pris des lunettes en forme de chauve-souris. Il y avait aussi il y avait araignées, il y avait fantômes, et citrouilles, voilà. Et j'ai pris des petites araignées, des petites pinces à mettre dans mes cheveux comme ça. Il y avait aussi en vert, il y avait des chauves-souris aussi, mais voilà, j'ai pris des araignées. Je me suis pris un serre-tête, mais je le vois pas. Donc j'ai pris un classeur qui a 4 anneaux, donc c'est bien parce que souvent il y en a 2 chez Action. Il me semble qu'il était en promo, ou pas celui-là. Il n'y en avait plus qu'un, je crois qu'il n'y avait pas l'étiquette. Enfin bon. Couleur carton comme ça. Avec des petites flèches rose gold ou cuivrées, enfin voilà, c'était joli. Ensuite j'ai pris ceux-ci, donc des crayons, des jumbo correcteurs. Donc vous avez le 147 qui s'appelle Anti-Dullness, le 148 Anti-Dark Cycle et le 149 Anti-Redness. Enfin, donc anti-rougeur, enfin il y en a un pour les cernes et un pour, je sais même plus trop quoi, faudrait que je traduise, voilà. Je testerai ça en vidéo avec tout le reste du make-up que j'ai mis de côté. Ensuite j'avais pris des raisins avec du chocolat au lait, enfin enrobé dans du chocolat au lait. Il y en avait 300 grammes, c'était vraiment un gros paquet. Ils étaient super bons, d'ailleurs il n'y en a plus, il faudrait que j'en rachète. Ensuite j'ai pris 2 sucettes comme ça pour mes parents, je les trouvais trop mignonnes. Il y avait ces deux modèles, voilà j'ai pris les deux modèles. J'ai pris un paquet comme ça qui est aimanté. C'est pour le tableau blanc, donc vous avez des ustensiles pour le tableau blanc et vous aimantez carrément la boîte après votre tableau. Donc dedans vous avez un petit spray, c'est pour nettoyer le tableau. Vous avez des aimants, donc il y en a 4. Vous avez une petite brosse, je ne sais pas si elle est aimantée, je crois pas. Et vous avez 3 marqueurs, donc rouge, bleu et noir. C'était en promotion, donc voilà, comme j'ai un tableau, je l'ai pris. Ensuite j'ai pris une paire de ciseaux qui sont souples comme ça, j'en avais acheté à ma soeur, elle m'a dit qu'ils étaient très bien et ils sont assez grands parce que moi j'ai encore des ciseaux de bébé dans ma trousse. Donc voilà, il y avait plusieurs couleurs, il y avait bleu et rose, il y avait violet et vert je crois, bleu et vert, et j'ai pris rose et violet. Ensuite j'ai pris du nettoyant comme ça, multi-surface, ou c'est peut-être pour la cuisine celui-là. Non c'est pour tout, le rose, le vert ça doit être pour la cuisine et le bleu c'est pour la salle de bain, ça c'est sûr. Ils sont bons, c'est rosemary et ginger, donc ça doit être gingembre et je sais plus trop quoi. Enfin bon, ils sont bons, ils sont très bien ces produits. Et j'ai pris un désodorisant que j'avais l'habitude d'utiliser, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu.
Donc il y a le rose et il y en a un autre, mais je préfère le rose. C'est Touch of Mystery Oriental Flower. Bon, il y a des retombées hein, par contre, mais ils sont très très bons. Ensuite, j'ai pris des kits pour Halloween. Donc j'ai pris le Special FX Movie Star. Donc on dit maquillage pour effets spéciaux de films d'horreur. Vous pouvez faire des cicatrices, mettre des fermetures sur le visage et tout. Je sais pas exactement tout ce qu'il y a dedans, hein, si on a, ça, c'est marqué, je vais vous lire. Donc ça contient du sirop de maïs, de la vaseline, de la fécule de maïs, de la colle, de la gélatine, du colorant rouge, du colorant vert, de la peinture pour visage noir, de la peinture pour visage blanc, de la peinture pour visage verte, une fermeture à glissière, du gel sang, de la, une cuillère mesure et un guide d'activité. Donc il nous explique comment faire tout ça. Et j'ai pris le Special FX Movie Star. Donc FX c'est effets spéciaux là. C'est le maquillage pour effets spéciaux de cinéma. Donc film d'horreur, cinéma. Donc, j'ai vu que ces deux là. Et je vais vous dire s'il y a de temps. Sirop de maïs, vaseline, fécule de maïs, colle, gélatine, colorant rouge, colorant vert, peinture pour visage noir, peinture pour visage blanche. 3 gobelets en plastique, 2 bâtonnets mélangeurs, cuillère mesure et guide d'activité. Voilà. Ensuite j'ai pris ces deux petites choses, donc c'est des petites paillettes pour le corps qui s'est parfumé. En plus ça sent super bon. Enfin, oui, si ma soeur, j'en ai pris une aussi à ma soeur, enfin j'en ai pris une et elle a testé, ça sent, c'est vanillé, ça sent super bon, elle a la blanche. Je sais pas si les deux ont la même odeur parce que moi j'ai pas ouvert les miennes. Donc j'ai pris les deux, hein, rose et blanc. Et j'en avais une de chez Nocibé qu'on m'avait offert pour un anniversaire. Ça sent trop bon, c'est trop bien. Enfin, ça, on a la peau qui scintille. Et je sais que celle, la mienne que j'ai déjà, on peut la mettre aussi dans les cheveux. Je pense que celle-ci aussi. Ah oui, je vous ai dit Nocibé, c'est Beauty Success. Voilà, en plus les packagings sont vraiment très jolis comme ça, un peu sirène. Avec ma soeur, on s'est pris des jeux, donc on a déjà pris des dominos smiley comme ça, qui sont vraiment trop beaux. Je vous ai montré sur Insta, on y a joué. Par contre, ils sont pas tous là. Il y en a que 24, alors que normalement, un jeu de dominos, c'est 28, c'est ça. Ma soeur avait compté, mais là, elle est amorphe, elle est malade, elle sait plus. Et voilà, donc c'est sympa, mais on se trouve bloqué parce qu'il n'y a pas toutes les possibilités, en fait, quoi. Mais bon, c'est pour les enfants, hein. C'est 3 ans et plus, voilà. Et on a pris un jeu de cette famille, par contre là on n'y a pas encore joué. On a choisi les animaux comme ça. Et Domino il existe aussi pour version Dora, on a vu que ceux-là. Et ça il y en a plein, plein plein plein. Donc cette fois c'est 4 ans et plus. Je sais pas s'il y a vraiment cette famille. Les cartes sont quand même assez fines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 familles de 4 personnes. Voilà, enfin 4 animaux. Ensuite, on a pris des petites bestioles comme ça qui sont en mort de forme. C'est des Squeezamals. Et c'est parfumé. Ils sentent tous pareil. Donc ma soeur a voulu celui-ci et moi j'ai pris aussi celui-là que je trouvais très beau. Donc je crois que c'est on a regardé sur internet, ils ont tous un prénom. Donc c'est un petit chat qu'ils appellent Cassie. Moi j'ai pris le petit cochon, je trouvais trop beau aussi. Je me rappelle pas comment il s'appelle. Et ma soeur a voulu le lapin, je sais plus non plus son nom, voilà. Debbie, je crois. Elle me dit Debbie ou quelque chose comme ça. Il y en avait plein, je vous avais même mis des photos sur Insta. J'avais pas pu mettre toutes les photos d'ailleurs. Mais vous êtes beaucoup à m'avoir dit, ah, faut que j'y aille et tout. Et ça vaut hyper cher, je crois que ça vaut dans les 7 euros. Et là, ils étaient en promo. Par contre, c'est parti hyper vite. Dans la journée, je pense que dans chaque action, ils avaient qu'un carton en fait. Dans la journée, c'est parti. Le lendemain, on a voulu aller à un autre et il n'y en avait plus. Ensuite, j'ai pris un jar en forme de cactus, mais avec une petite guirlande à l'intérieur. C'était pas cher du tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc moi j'ai pris comme ça, transparent, enfin c'est un petit peu gris quand même. Ma soeur je l'ai pris en vert, très beau aussi. Le seul hic c'est qu'il faut ouvrir pour pouvoir allumer, bon là il n'y a pas de pile à l'intérieur. Et on met deux petites piles AAA. Et voilà c'est très sympa. Voilà j'ai trouvé le serre-tête que j'avais pris, donc moi j'avais opté pour fantôme, il y avait citrouille et... peut-être araignée, je sais plus trop pour les serre-têtes. Voilà.
J'ai pris une crème protectrice de la marque Biface, l'Active Lisse, donc c'est sans rinçage, ça facilite le lissage pour faire à lisser et sèche cheveux, à la kératine et l'extrait de soie. Voilà, ça fait 250 ml et ça protège de la chaleur. J'ai pris des boucles d'oreilles pompons noires, voilà. Ah, j'avais pris un autre petit nounours comme ça. Donc c'est pas ceux que je vous avais montré à mémoire de forme. C'est dans les pluches classiques, c'est avec les petits yeux qui brillent. Donc moi j'ai pris le petit, je pense que c'est un chat. Je sais pas exactement, il y en avait plein, il y avait des petits poussins, il y avait... Voilà. J'ai pris un petit bracelet pour ma maman avec un petit éléphant, et des petites breloques en fait. Une petite pierre bleue, une petite chaussure, un petit cœur, un autre cœur, enfin... Une petite feuille, une tour Eiffel. Voilà, je le trouvais sympa. J'ai pris une bombe de bain rose avec comme de la chantilly blanche et une petite corne de licorne dorée. Voilà, elle sentait bon. Ensuite, j'ai pris un planeur que je trouvais trop beau. C'est marqué It's a good day to have a good day. Donc, desk planeur. Voilà. Planeur de bureau. Avec de l'aquarelle comme ça, je trouvais super beau. J'ai pris du Bolduc. Il y en a 1, 2, 3, 4 différents dans les tons argentés, blancs. Et puis il y a des petits nœuds tout faits là au-dessus. J'ai pris un pistolet pour écraser les mouches. Je sais pas si ça fonctionne, j'ai pris ça pour mon père. Tout le monde m'a dit ça ne marche pas, c'est pour tous les insectes. Hein. Enfin, même s'ils sont sur un mur, il y a un ressort et ça envoie la cible là pour écraser la bestiole. J'ai pris 2 porte-clés Disney. Enfin, je sais pas si c'est Disney ça, si c'est Disney Pixar. Donc j'ai pris pour mon père une petite Cars, voilà. C'est tout mou. Et pour moi, j'ai pris Réponse, je la trouvais très belle. Par contre, faire attention, il y en a plein qui ont des défauts. J'ai hésité avec Cendrillon, voilà. Mais bon, j'ai pris Réponse. Il y a aussi la Reine des Neiges. Ensuite, j'ai pris d'autres boucles d'oreilles avec des petits pompons. Et donc cette fois, il y a une petite chaîne et puis plusieurs petits pompons, voilà. Le long de la chaîne, donc j'ai pris rouge comme ça, c'est rouge foncé, et puis blanc. Ensuite j'ai pris un petit rubis cube avec les bords blancs, je le trouvais sympa. C'est pour mon père parce que moi je suis incapable de résoudre ça, enfin voilà, si je sais pas faire. Ensuite j'ai pris un pantalon de sport, il est noir au-dessus et il se termine rose, enfin c'est moucheté, puis voilà, de plus en plus moucheté. Il est super confortable, je l'ai mis, j'ai pris taille M, ce qui correspond à du 38-40. Il me va bien, il est super bien, il fait pas mal à la taille, tout ça, il est vraiment très très bien. J'ai également pris une bombe de couleur pour les cheveux, donc un spray pour les cheveux comme ça, j'ai pris couleur blanc, voilà, pour Halloween, ils en ont sorti plein. Pour un des déguisements, pourquoi pas. Et on va finir avec 3 pulls, je les ai pris tous les 3 en taille M. Je les ai pas essayés, donc j'espère qu'ils vont m'aller parce que c'est trop tard pour que je les ramène. C'est des pulls d'une matière que j'adore, c'est tout doux. Ils sont vraiment... en plus ils sont beaux, voilà. Donc il y a celui-ci avec marqué « You can make your dream come true ». Donc tu peux réaliser tes rêves, enfin faire de tes rêves une réalité, voilà. Comme j'ai tout posé là-dedans, c'est un peu compliqué de vous montrer l'image. J'en ai pris un vert avec marqué Madame Fantastique, comme ça, et un noir marqué Create a Beautiful Moment, avec les écritures les unes sur les autres, enfin, je vous montre, c'est plus simple comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première, pensez à aller voir, à aller la voir tout simplement. Moi je vous fais plein de gros bisous. Maintenant j'ai plus qu'à tout ranger, tout ça. Ça va pas être une mince affaire. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.